Salut tout le monde, c'est Lance Band qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien, je me suis levé il y a 50 minutes, donc ouais ça va. Je suis en compagnie de Tiger Wolf qui est juste derrière, comme d'habitude vous le verrez pas, arrêtez de m'en demander pour ça, ça commence à me saouler. Il est là-bas, salut. Vous savez qu'il est là, pas besoin d'en savoir plus. Et je me tape encore cette pub de merde, Rauf taf tuturen, brum 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 brum. Bon ça me saouler c'est là. Qui pourrait changer de pute, ça va pas. Ouais. Ah, mais surtout la pub en allemand, bordel, je parle pas un mode allemand, c'est parce que je suis en Suisse que je parle allemand. Ouais, ça, à la limite, c'est pas grave, mais... Si, c'est grave quand tu parles pas allemand. Toi, t'es bilingue, tu t'en fous. Ouais, tout de suite. Waiting for Rust. Passionnant le début. Ça va être passionnant le début de la vidéo. Ouais, moi qui rote et qui attends que le putain de jeu démarre. Bienvenue. Mais oui, bienvenue. Vous êtes tous les bienvenus ici. On laisse les missiles nucléaires, c'était bien amusé. Hein? C'était bien amusé les missiles nucléaires. Hein. Ouais. J'attends que le jeu démarre. Ça, à part me dire que Rise of Nations, Trône et Patriot a été lancé, mais ne pas lancer le jeu, ah si, quand même. Alors, ok. C'est quand tu veux, hein, je veux dire. Ça, c'est un jeu qui a 10 ans, comment tu fais pour pas le démarrer rapidement? Allez, bouge! Mais putain, vas-y! Bah, quand même. Faut pas demander de la rapidité à monsieur, hein. Oui, le jeu est en train de démarrer, vous en faites pas. Vous allez avoir votre dose de jeu. Enfin, je dis ça, mais là, l'écran noir, il est beau aussi. Partie en solo, donc partie multijoueur, si possible. Réseau local. Et on attend de voir la partie du poteau. Qui est juste là, rejoindre. Voilà. Donc tu as changé l'élimination, c'est quoi? Moi j'ai regardé un peu. Conquête, les joueurs ne peuvent être éliminés au début de la partie et que si leur nation a été complètement conquise. Moi je pense que c'est mieux standard, non? C'est quoi standard? Fais voir. Victoire. Cliquez sur le... Vous gagnez pour... par conquête territoriale ou construction de merveille. De merveille, ah non, ça va pas. Non, mais j'ai enlevé les pantalons. Attends, voir. Ah, ouais, c'est bon, regarde ce qu'il y a un peu. Ouais, parce que là, je peux pas déplacer, bouge pas. Territorial, vas-y. Chaise pas. Musicale, à chaque fois que le chronomètre des chaises musicales s'arrête, le joueur a un score plus faible et immédiatement éliminé de la partie. Oh putain. Conquête, vous gagnez en éliminant toutes les nations adverses selon la méthode déterminée par la case élimination. Course chronologique, le premier joueur, le premier équipe qui parvient à l'âge d'arrivée gagne. Hein. Ouais. Merveille, vous gagnez en construisant une merveille. Mort subite. Vous gagnez par conquête, territoire ou construction de merveille. Si vous répondez à une des conditions de victoire, vous gagnez immédiatement 100 chronomètres. Vous gagnez si vous êtes le premier joueur, la première équipe à parvenir à un score préétabli. Temps imparti, territoire. Le premier joueur ou la première équipe à parvenir à un pourcentage de fini de territoire. Économique. Ouais, bon, bah, conquête, hein. Parce que... Non, standard. Vous gagnez par conquête, territoire ou construction de merveille. Voilà, conquête. Et après élimination, je vais suivre quoi. C'est pas. Les joueurs ne peuvent être éliminés au début de votre. Attends, on va faire voir capitale. Non, ça c'est ce que j'avais. Les joueurs vont éliminer rapidement si la capitale de la nation a été capturée et qu'ils ne l'ont pas rapidement reconnu. Il faut la capturer. Oui, bah, avec tous les balances, tout ce que tu as balancé l'autre jour, hein. Il n'a pas eu le temps. C'était bien, missile nucléaire. La mort subite. Hein, mort subite. Les joueurs sont éliminés au moment même. Les joueurs sont éliminés au moment même où l'une ou l'autre de leur cité est capturée. Ils ne bénéficient d'aucune chance de la reconquérir. Ça, c'est bah, alors, mec, capitale, franchement. Parce qu'il faut la capturer avec 10 hommes, il me semble. Ah, mais là, je peux plus avoir une missile nucléaire. Hein. Ouais. Elle n'a plus de missile. Hein. Pourquoi? Bah, parce qu'il nous a enlevé. Bah, tant pis pour les missiles. Hein.
Bon. Si je mets standard, je peux avoir le missile. Ben, laisse, ben, remets pas standard, mais comme ça, ça évitera qu'on capture tout. Alors, je laisse conquête deux fois, et puis voilà, quoi. Ouais, mais la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai un peu éliminé l'adversaire. La dernière fois que tu l'as vraiment embarrassé tout ce que t'as fait, là. Ah, bah, 6 missiles nucléaires, c'était l'apocalypse. Par contre, la carte, j'aimerais bien qu'on la change, hein, parce que putain. Ben, moi, c'est tout ce que j'ai, quoi, dans les îles, à peu près. Pouf, voilà, vous voyez la partie, vous êtes content? J'espère. Grand lac, grand désert du Sahara, bon. Bah, le désert du Sahara, ça me tenterait. Moi, j'aime pas avoir de l'eau entre deux, hein. Bah, ça évite qu'ils vont juste s'attaquer tout le temps pour rien. Bah, de toute façon, ça change rien, ils ont pas besoin de. Bon, alors, trouver un truc avec un peu de flotte, quand même, c'est pas sympa. Forêt tropicale. Dans celui-là, ils ont pas besoin de bateau de débarquement. Ça, ça me parle. La forêt tropicale, imaginez. Alors, la forêt. Ouais, tropicale. Attends. Japonais, ça c'est bon. Ah non, moi je change pas les japonais, hein. Le coup de pas avoir de chance, ça m'est saoulé la dernière fois. Non, mais tu peux regarder ce qu'ils ont comme spécialité là. Ah, attends, ils ont quoi? Les unités de caserne sont 7% moins chères et créées 10% plus vite pour chaque âge. Les unités de caserne, les fermes sont 50% moins chères. Voilà. Tu regardes les grecs maintenant? Ouais. Tu sais ce que moi j'ai. Les grecs. Les recherches en bibliothèque sont 10% moins chères, excepté la connaissance, 10% plus rapide. Possibilité de construire des universités et d'amasser de la connaissance depuis le début de la partie, bibliothèque et université. Bah attends, je vois s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me tenter là. Mais on fait tous comme ça. Non, non. Fort 25% d'enchères, ça n'a ni. Un pantry lourd créé. On se fait des unités. Putain, mais ils ont pas autre chose que de la guerre là comme bonus. C'est un jeu sur la guerre, hein, Des dégâts progressifs suivis par les unités ennemies sur votre territoire augmentent de 100%. Frontière nationale plus 1 par un civil. C'est bien les Mayas qu'ils ont. Les Mayas, ouais. Ben, ils ont la fin du monde, hein. Bravo, bien. Comme d'habitude. Allez, viens, c'est là, il reste joli. Les cités, même sans garnison, tours forts, etc., tirent des flèches ou des balles supplémentaires. Les bâtiments sont 20% plus solides et 20% plus rapides à construire. Excepté pour les merveilles, la construction de bâtiments, excepté les merveilles, les bâtiments militaires nécessitent 20% de bois d'œuvre en moins. Moi, je vais quand même prendre les Japonais, au moins je les connais, ceux-là. Moi, je prends les Mayas. Allez, hop, let's go. Je suis prêt. Ah ouais, pour au moins 2 heures. Je... Cette fois j'ai 500 gigas de disques durs qui sont prêts et disponibles, donc Ça suffit parce que la dernière fois il a essayé mais il a pas eu assez de place. Normalement pour tout vous dire, le disque dur sur lequel j'enregistre, c'est un disque dur de 150 gigas. Alors pour des parties de 20 minutes à chaque fois ça va. Mais là on peut enregistrer maximum 1 heure avec 150 gigas. Alors là on verra si c'est mieux. Là j'ai calculé, ça fait environ 2h30 normalement ça. Ça peut juste jouer. Démarrage de la partie. Ouais. Je suis en cours de démarrage. Attendre des joueurs. Moi j'ai les lanciers Ashigaru, les samouraïs armés, les Bushi d'élite et les samouraïs. Moi j'ai des dragons, j'ai des machins. Bah bien sûr, tout le monde sait que les Mayas avaient apprivoisé les dragons. Attendre des joueurs. Oh. Bon. Bon bah allez, on va pouvoir préparer vos allées, c'est possible. Hein? Eh non, on va pouvoir s'établir bien là. Je veux dire, au niveau des cités, on va être pas mal à mon avis. Ouais, faut quand même pas trop se marcher les uns sur les autres. Hein? Faut quand même pas trop se marcher les uns sur les autres. Ouais, donc du coup, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est effectivement un jeu de guerre, sauf que la petite originalité de ce jeu, c'est justement que, On commence depuis le début, puis on finit à l'âge industriel. Exactement. C'est-à-dire que là, on est à l'Antiquité, et on finit à l'âge du pétrole et tout le bordel. Bon, ce qui est marrant, c'est que c'est toujours les mêmes paysans depuis le départ. Donc, je ne dis pas quel âge ils doivent avoir. C'est pas vrai. Et ils ont 23 minutes, hein. D'ailleurs, ils n'ont pas fait plus longtemps que 23 minutes, les gars. Moi, je dis respect. Tu vas au camp de bûcheron, parce que je veux que tout le monde bûcheronne, c'est tout. Le désintérêt réciproque a toujours été mon principe favori. T'as mis la paix jusqu'à une certaine époque? Normalement oui, c'est la dernière. J'espère. Sinon voilà. Bon, allez hop, je vais construire ma deuxième cité. Construire cité, ouais. Oui, en fait, c'est les cités qui vous donnent plus de... En fait, je vais vous expliquer à mesure. À un moment donné, je pourrais construire ce qui s'appelle l'université. L'université. Hein? Ah, vas-y, continue. Je suis fâché. Vas-y. L'université, c'est le bâtiment dont vous aurez absolument besoin par la suite. C'est. Vous pouvez pas vous en passer. Mais bien sûr, il y a la bibliothèque aussi.
Je vais faire des recherches sur le commerce tout de suite parce que... Faire des recherches sur science, ces unités peuvent être transportées par mer, nouveau bâtiment temple... Par merde. Par mer, abruti, bah. C'est pas cela, Robert, compris le dernier. C'était pas clair. Ouais, il était vraiment pas clair, hein, vu comment tu l'as compris. Va faire une ferme en pente. Ça va te faire du bien. Tu dois me détester, Emily, là, je vois, pour ça. Ouais, tu crois? Puis c'est pas comme s'ils avaient une retraite un jour, non, non. Ils vont travailler comme ça pendant des milliers d'années. Ils vont pas avoir le choix. J'adore la musique de ce jeu par contre. C'est extrêmement apaisant. Ah ça, comme tu fais tes petites constructions et tout, t'es pas stressé comme tu peux l'être dans Age of Empires où ils te foutent carrément des musiques de guerre quand t'es en train de faire des chants des fois. Ah bah il faut ce qu'il faut. T'as l'impression qu'il va y avoir une attaque sur ta gueule dans quelques secondes alors qu'en fait, non. Arrête de faire des bruits bizarres. Une bourrique. Encore une. Putain, c'est bon ça. On peut. Bon. Hop. Allez, bûcheronné. Foire, il part déjà à l'âge de l'aile. Qui est? Bah, c'est toi en mesure. Moi? Oui. Non. Ah non, c'est la l'aile. Ah non, moi je ferai pas ça à l'âge de l'aile alors. Autant pour moi là. Non, non, j'aimerais bien, mais non. Moi, je vais à mon rythme, hein. Et mon rythme, tu le sais, il est lent. Putain, ces enculés, t'as vu où nous avons ce que c'était? Oh putain! Ah, ça a chié là, et. Putain, ils ont tout le territoire chez eux, ils viennent nous piquer le ventre. Ah, les enculés, attendez, alors je vais changer de Tu peux pas quoi? Bon, y a un petit truc qui m'énerve moi avec les paysans, c'est que des fois ils vont bosser alors que tu leur demandes rien. Bah oui, c'est bien, moi je dirais plutôt. Non, parce que tu les as pas forcément prévus pour ça. Bah après, voilà quoi, faut parler plus loin quoi, faut utiliser ta question. S'ils veulent bosser, laisse-les bosser quoi. Non, et des fois je veux qu'ils foutent rien. Moi je suis un employeur sympa. Bouche au cul, madame. Oh, un marché, c'est nécessaire, obligatoire. Pas parfait. Ben non. Laisse-moi le temps. J'ai appris à faire des recherches quasiment uniquement que sur le commerce maintenant. Sitting Bull. En gros, le taureau assis. Intéressant comme nom. Hmm? Pour obtenir les temples déjà, putain, je les ai pas. Le quoi? Les universités. Il faut pas savoir plus pour ça. Bah oui. J'y suis? Ah bah tiens. Aïe. Pas trop tôt. Enfin, moi après, c'est comme vous voulez, mais moi en fait, je fais beaucoup de recherches sur le commerce, enfin, vous vous rendrez vite compte que l'or. L'or, c'est... Oui, c'est fait de l'amour, pas la guerre. Voilà. C'est plus hostile. Moi, je suis plus hostile, mais je tape tout ce qu'il dit. Bon, en même temps, les savants, ils coûtent rien pour l'instant. Bon, assez pour me ruiner, déjà, mais... Bande d'enfoirés de savants, la con. Bon, il me faut absolument une montagne. Il y a ça dans le coin? Ah si, il y en a une là. Venez là, bande d'abrutis. Vite.
des légers ralentissements un peu bizarres. Ouais, c'est normal. Putain, mais cette bouffe. Ça monte pas ? Pas génial, hein. Moi, j'ai pas de problème avec ma bouffe, alors. Moi, j'ai pas poussé ma troisième cité, là, ça va déjà mieux. Bon, il me faut absolument des putains de savants. Voilà. Ma recherche montre un petit peu plus. La recherche, c'est le petit livre qu'il y a ici. Et vous rendez-vous compte que ce petit livre, putain, il monte pas vite. En fait, vous avez droit à une université par cité. Oh putain. Putain, mais le verre là, ça va? T'as gêné le con, hein? Non, ouais. Dingue. Bordel. Y'en a qui se privent de rien? On va lui repousser un petit peu ses frontières à ce couillon. J'ai besoin d'un autre villageois, s'il vous plaît. Ah oh, putain, 200 bouffes. Voilà. Hmm? 200 bouffes, je suis passé à la deux. Non, mais j'ai pas encore de limite de caravane. Non, oh, je peux passer au Moyen-Âge, ouais. Je vais pas le faire tout de suite. Ça sera rien pour l'instant. Puis bon, j'aime pas le Moyen-Âge. Vraiment pas une de mes époques préférées, alors. Hein? Non, mais j'ai regardé qu'il m'a bossé. Bah oui, qui te regarde bosser. C'est ceux qui font d'autres quand tu leur donnes pas d'autres instructions, hein? Qui bossent de l'ordre, c'est hein? Ça va, oui. Faut tout leur dire, c'est bien. Bah oui, faut tout leur dire. Par contre, il me faut un peu plus de champ là parce que. Putain, les montagnes, il y en a pas une chier, hein. Non, hmm non, c'est quoi ça? C'est les sciences. Putain, les sciences, ça coûte cher. Bordel. J'imaginais pas ça aussi cher, la science. Tu l'aurais cru, hein? Oui. Faut se poser des questions, hein. Je crois qu'ils dédient leur vie à... bah, à la science, justement. Ah, à mon avis, ils dédient leur vie au pognon, hein. Tu sais, t'as fini ta putain d'université. De toute façon, je vais pouvoir remplir assez avec des savants, vu que... j'ai pas d'or. T'as fait l'église? Hein? Le temple? Ouais. Non. Pour monter, justement, le... Ah oui, c'est vrai. J'ai pas. Pourquoi à chaque fois que je fais une vidéo, il faut qu'on entende des chiens en arrière-plan qui aboient? Ah, ça, je sais pas. C'est... Moi, on sait qui... on sait qui c'est, quoi. Oui, on sait où j'enregistre, en tout cas, hein, ça. Ah, il y a des montagnes, ici. Ouais. Moi j'ai mal en trouvé perso. Ah pas les montagnes comme ça, mais putain. Tiens un temple. Bon. Viens là toi, on construit une autre cité. Ouais, ici, ça ira très bien. Heureusement qu'on est en paix pour le moment. Ah, ils commercent bien les enfoirés, hein. Ça va bien, ça va bien. J'ai besoin de plus de savants, putain, arrêtez de pomper autant.
Pourquoi vous avez besoin d'être payé autant? L'intention d'aller faire la fête ce soir ou quoi? On m'expliquer ça. Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec tout ce pognon? Quel bruit? Quel bruit? Il y a un cercle chez toi, lui. Ils ont un petit territoire, là. Oui, j'ai décidé que j'avais pas le... Alors, je m'en fous que machin ait transformé le gouvernement république. Je m'en branle un peu, là, je dois dire. J'ai construit ma dernière capitale, là. Elle est là. J'avais dans l'intention de construire une dernière capitale à la base, mais... Ok, il va falloir deux ou trois bûcherons là. Pouf. Tout va bien de ton côté? Ça va. Oui, pas trop mal. Pas trop mal. Ça va? Mais d'abord, c'est le bouffe qui ne veut pas monter. Ah ouais? Ça monte pas du tout? Non, c'est pas assez rapide. Ça va venir. Ah, le ver, il a voulu venir chez moi, il va assumer les conséquences de ses actes, hein. Bon, en fait, tu disais, ouais, c'est con qu'au dernier âge, tous les bâtiments se ressemblent, c'est vrai. Ça, je trouve vraiment con, quoi. Parce que dans toute la période, on a tous des bâtiments et tout, des machins différents. Puis là, tout d'un coup, c'est fini. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, hein. Je peux pas tout avoir. Putain, mais c'est la science qui coûte le plus cher, quoi. Explique-moi ça. Là, je manque de pognon, hein, mais... T'as fait les marchands? Bah oui. Le caravane qui manque les trucs? Oui. Enfin, je vais en refaire, je crois que j'avais atteint ma limite de caravane. Je sais pas si je peux venir commercer chez toi pour le moment. T'as le rouge, toi, hein? Je vais ressembler. Ouais, t'as les Mayas, là. Je vais aller acheter les minces de poulet. Hein? Ouais, acheter les minces. Suivez-moi là! Du regard. Je ne me sens pas trop concerné. Pas du tout, hein? Si peu. Si peu. Je me sens absolument pas concerné. Tu sais, les noms de tes civilisations, quoi, Mariapan. Ouais, je sais. Il y en a quelques-unes, elles sont vraiment accouchées dehors. Ah, ça? Yukumasi ou un truc du genre. Kaminal Juyu. Putain de merde, je sais pas où ils ont été les chercher, ceux-là. Ah, ils étaient bourrés quand ils ont créé ces noms, hein. Ah, ils étaient pas frais, en tout cas, ça c'est dur. Ah, on a toujours dit que l'alcool, c'était pas bon, mais. Ah, bah, les Mayas, ils avaient du très bon alcool, visiblement, hein. Pourquoi passer celle-là de l'alcool? Allez, vas-y. Putain, mais à quel point je suis pauvre! Mais moi, c'est ce bouffe qui veut pas monter, mais putain, j'ai les champs partout! Dans chaque nuit, j'en ai 5, mais putain, mon poste bouffe! Ah, moi, ça va là. De ce côté-là, fais des greniers? Il faut que je le pouvoir, en fait. Mais bon, ça coûte de l'or, ces saloperies de grenier. Tout le problème, là. Moi, je suis en train d'en faire des greniers. Je vais aussi faire une série en plus. Ah, mais ils font chier leur merveille, putain. Ils aiment bien leur merveille, hein. Ah, mais c'est la folie.
Hein, le orange, ils sont enfin, le violet, ils sont aussi bien établis chez nous. Hein. Là, il est déjà étranger à partir. Mais c'est pas ça qui veut jouer là. Ouais, non, va te faire foutre le téléphone. Non. Non. Non, pas pile au moment où la mère elle se casse. Non, c'est bon. Il y a un répondeur. Ça ira très bien, hein, j'en ai marre de ça. Ah, par contre, le terrain il a vraiment dû la construire. Hein. Ah ouais. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai beaucoup de peine à construire ce système. Non, non, ça va. Moi j'ai de la peine à construire des putains de savants, ouais. Non, ça, ça va alors. Enfin, parce que ça coûte la peau du cul, c'est ça le prix. Limite de caravane, plus pour longtemps, je suis en train de faire le prochain truc de caravane. La caravane arrive à Caminal Joyou. C'est merveilleux, ça chez toi ça, je crois. Putain, je les ai bien séparés avec ma frontière, hein, le vert et le violet là. Oui, j'ai vu. À mon avis, c'est la première frontière qui va être détruite, c'est celle-là. Oh, t'as des fétiches là. Non, non, réaliste. Quoi, tu crois vraiment que je vais me laisser faire? Attends, tu me connais pas là? En tout cas, les merveilles, ça y va chez eux, hein. Ça peut leur faire plaisir, ils croient qu'ils peuvent gagner avec ça. Heureusement, j'en ai, parce que sinon ça va. Mais... Ouais. Putain, mais l'or, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais j'ai pas d'or! Je suis aussi pauvre que dans la vraie vie, donc. Non, ça, c'est de la rabance. Ah, ouais, c'est quand je te vois que tu bosses, hein, conne. Qu'est-ce que ça? Il y a une mise qui glandait là pour moins de 10 minutes. Et dès qu'elle voit que j'arrive, elle va vite bosser. Ouais, ouais. La routine, hein. Ouh là, attention avec les remarques sexistes, hein. Bon, oh, Victoire, toi, t'es quoi, là, t'es bien, là, tu connais pas dans le bon. Ça va. Allez, me défendre encore, allez. Ah, je vois qu'on peut essayer, là. Oui, là, je peux. Yeah. Putain, il m'en manque des savants. Ça va, écoute. Oh, il a achevé une merveille, c'est mignon. S'il aime bousiller son pognon pour rien. Tu vas jusqu'où toi? Tu vas chez le copain pour faire pour les citer, couillon? Non? Si c'est pas le cas, tu y vas. Allez hop. J'ai besoin d'argent, bordel. Maintenant, vous bougez un peu le cul. Ah, piste de pouvoir, putain, je suis en bas. Ça, je suis dégueulasse, c'est pour faire les améliorations pour la boucle, t'as quand même besoin de bouffe, ça c'est pas là. Non. Il est belle, c'est hein? Là, ça commence à bien, ça. Ah ouais? On va appeler la smash quand tu vas aller. Wow. Ça surprend, on va dire. C'est sympa. Il reconnaît en moi un peu. Ça, c'est sûr que là, si tu les reconnais pas, t'es aveugle. Hein. Yes, j'ai pu créer tous mes... Ah, ils en ont plus, mes paysans. Ah, c'est des mayas, quoi. Ah, les cons, ils en ont plus. C'est des mayas. Qu'est-ce que tu leur prends poche? C'est normal. C'est normal, c'est des mayas. Bon, qui c'est qui fout rien, là? Toi? Il y en a une autre. Là. Vous avez construit quoi, vous? D'accord. Vous avez construit une Syrie, là-haut? Non? Pourquoi vous le faites pas alors? Je l'ai demandé avant. Ouais. Oui, ça c'était avant, hein. Chris, vous allez vous aimer, c'est ça? Non, nous ne sommes sponsorisés par personne. On pourrait croire, mais non. Nous sommes notre propre chef. Exactement. Faut absolument que j'augmente ma science, je suis à peine au deuxième cran avec la science. Pas faire un peu d'armée si jamais. Ouais, ouais. Pourquoi vous? Et là pour l'instant, j'ai pas le temps, je suis pas à ça moi.
président qui est sorti, rassurez les gars. Nouvelle recherche approvisionnement dans fonderie, ça je m'en fous. Y'a quelqu'un qui fout rien là? Toi? Oui, c'est génial, tu vas me créer une nouvelle cité. Tu es mon constructeur de cité officielle. Allez-y, marchand. J'ai trouvé une deuxième montagne. Moi aussi. Bon, qui fout rien? Vous trois, de nouveau. Chaque fois que je vous regarde, vous foutez rien, hein. Un jour, je vais sévir, les filles. Ouais, il faut que je fasse une fonderie aussi, putain de merde. Ça, ce sera pas inutile. Qu'est-ce que je pourrais faire comme âge maintenant? Bah, à nouveau les sciences, hein. T'as fini ta cité, abruti? Non? Fais-le plus vite. Moi, maintenant, ils ont des chapeaux de paille sur la tête, mes paysans. Ou un truc qui ressemble. Allez, on se bouge. Alors, 1, 2, 3, il m'en faut encore 2. Oui, c'est du jeu de stratégie, hein, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ouais. C'est le genre que je préfère, personnellement. Qui est ici pour faire des recherches sur l'âge des lumières? J'ai pas besoin de l'âge des lumières pour l'instant. Non mais bon. Voilà, toi va me construire une université, une de plus. Quoi, vive? Oh putain, bouffe. Il en faut partout, cette bouffe. Ils pensent qu'à bouffer, ces gars-là. Hein. Mmh. Oh là, là, ils pensent qu'à bouffer, cette équipe. Indi. Ah non, ça y est. Tu vas me construire une putain de fonderie, toi. Ah, je la poudre? Oui. Je suis même pas à l'âge des lumières. T'es à la traîne, mon pote. Tu vas te faire défoncer la gueule, s'il est là. Non, non, c'est bon. C'est bon. L'âge de la poudre, c'est le même que moi. Moi, je suis à l'âge des lumières. Moi, je vais passer. J'ai enfin assez d'or pour faire un petit peu plus de... Limite de caravane, oui, je sais. C'est bon. Arrête de me le foutre dans la gueule. T'as pas assez de caravane. Moi j'en fais toujours quelques-unes à la main, parce que je suis une cité, il va tout suivre, tu sais. Ah ouais. J'ai pas besoin de demander comme ça. Ouh. Il a fait une démocratie. Oh, il est où le Capitole, bordel? C'est pas mon fait celui-là. C'est dans les bâtiments de guerre? Non. Non, je crois pas, je sais. Bah, je l'ai pas, le Capitole. Ah non, c'est le Sénat. Aucune idée comment ça s'appelle, après. Non, mais Capitole, c'est dans les Age of Empires 3, je suis con, c'est moi. Ouais, mais c'est la même chose, ça m'a aidé. Je suis en train de bien m'établir, hein, perso. Moi, je reste sur mon territoire, là. Je veux des sacrées cités, là. Mais peut-être qu'il y a toujours un village qui a besoin de place. Hein? Il y a toujours un village qui a besoin de place. Ah, moi, j'adore avoir de place. Donc, je peux faire des recherches sur République. Yay. Bon, on va faire le despotisme d'abord. Bientôt, tu vas voir... Toi, japonais, à passer le gouvernement en despotisme. Le seul truc qui m'intéresse, c'est le capitalisme. J'ai un despote! Je l'envoie chez toi.
C'est quoi? Un despote. Ouais, et pour ceux qui parlent pas en internet, tu dis que c'est quoi? Bah, c'est en gros. Tu connais pas le mode despotique? C'est le président, quoi. Ouais, en gros, mais en plus méchant. En plus méchant que d'habitude, si tu veux. Ah, nécessite l'âge industriel pour le capitalisme. Oh. Oui, oui. Vous êtes chiant avec votre âge industriel. Mais c'est l'un des plus larges. Oui. Oh. L'un des âges les plus polluants, tu veux dire. L'un des plus larges. J'ai ma souris à partir de votre âge, là. Ouais. Sur la télé. J'avais une scierie, un moulin dans le coin, là. Je suis en train de tout augmenter d'un coup. Bon, on va peut-être faire des bâtiments militaires gentiment. Je sais plus quoi encore faire. Bah quoi? J'ai déjà des soldats et tout, bon j'en ai pas une chier, là. Mais je suis prêt à me défendre si jamais on m'attaque. Enfin, je me défends. Ouais. Celui de la défense. Je vais pouvoir moi mettre ton prison avec le mien parce qu'il va se cacher ton derrière. Ah, attends, attends. Je fais mes bâtiments là. Non, il est où le mec qui se fait chier là? Viens ici, viens construire quand je te dis de construire. Et une forteresse aussi, tiens. Allez hop. Je regarde même pas la dépense. Ça va, t'es en train de construire? Oh putain, à chaque fois. Hein? Ouais. J'entends ça. Et pas besoin de me le dire en fait, j'avais remarqué. Je suis en train de passer à l'âge industriel. Et après je vais inventer l'électricité éventuellement. Ah, l'âge du pétrole là. Okay. Alors tu verras les petits camions qui arrivent chez toi, c'est normal. Ouais. Ne t'inquiète pas. Ah, c'est encore des chameaux, hein. Oui. J'ai vu qu'il y avait des chameaux qui arrivaient par là. Alors j'ai tenté quelques pétrole chez mon copain, quand ça va ou bien. Ah, il le voit pas encore le pétrole, le copain. Alors allez-y. Ah, mais il veut que je te pique le tien, hein. Non. Moi je veux pas, mais lui il veut. Eh ben tu dis non. Ça y est, je suis à l'argent industriel. D'ailleurs, je vois le pétrole maintenant. Ah putain, mais. Ah bah, oui, c'est pas sur mon territoire, je parlais. Quoi? Mais non, c'est pas sur mon. Vous devez construire sur votre propre territoire. Eh oui, bah, ils ont tout petit mon territoire quand on compare au sien. Non, ben... Le mien? Non, le mien. Je sais pas, merde. J'ai trois usines à pétrole. C'est pas tes tests, ça. Allez, on construire du pétrole. Il y avait un truc pour augmenter le pétrole, non? Ah oui, c'était les raffineries. Ouais, et c'est maintenant que les bâtiments commencent à ressembler à... Bah, à tout le reste, quoi. Ouais, c'est là que ça commence à devenir moins intéressant. Moins intéressant, j'irai pas jusque-là, mais... Il y a encore des maillages juste à côté de chez moi, c'est... Donc du coup, pour continuer, oui, avec l'évolution des âges, bah forcément on a des nouveaux trucs, hein, genre le pétrole par exemple. Y'a qui branle rien là pour l'instant, toi là? Ah, c'est marrant le marchand, maintenant il y a une petite camionnette. Moi j'aime bien cette évolution quand même. Ils auraient pu se planter et puis genre laisser les chameaux ou autre en se disant bah y'a personne qui aurait remarqué, mais non. Non,
ça qui m'énerve un peu, c'est ce système des bâtiments. C'est ce qui m'énerve un peu. C'est-à-dire ? Avec les bâtiments, ils se font plus de nation. C'est ça qui me dérange un peu. Ma foi, on peut pas tout avoir, hein. Ok, j'ai ce marchand là qui sert à rien parce que du coup il n'y a plus rien à récolter pour ce marchand. Fais chier. Ah si, il y a ce truc là. Allez, vas-y. Bon, je crois que j'ai fait mon maximum de cité là. Oui, et de faire une vidéo aussi. En même temps. Oui. L'histoire de mes claquins hier, ça a été enregistré alors ? Oui. Cool. J'en sais rien. Je vais t'adresser que les chiens ont chié. Moi, ça me fait marrer sur le truc. On sait que les chiens ont chié, comme dit Seb. C'est naturel, c'est puis là, on leur parle de nouveau, alors. Ça voilà. Va suite, tu on vois. Est dans la merde jusqu'au bout. Exactement. C'est de la merde, hein. Ça dépend de quel point de vue on se place. Bien qu'il y a un bouton de... Heureusement, je trouve ça très rigolo. Eh, la rentrée poussée de voir. Je peux pas construire avec des manipulations. Ah, ça j'aime bien, par contre. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Quoi? C'est les formations. Ils l'ont d'office. Les tirs avant, les roues derrière. Ça, c'est quoi? C'est les blindés légers, les chars légers. Allez, hop. On va faire ça. Ça a l'air sympa. Ça coûte pas tant en plus. J'ai une petite défense s'il y a quelqu'un qui attaque. Reste plus de patrons. Ouais. T'as trouvé? Ouais, j'ai construit aussi. Plus de patrons. Tu peux pas les construire en dehors de ton territoire. C'est débile ça. J'ai pas faute d'essayer. Putain, le violet là, il a pas beaucoup évolué, hein. Pauvre gars. Ah oui, faut que je fasse des recherches sur le capitalisme, vite. Capitalisme, j'ai besoin de pognon. J'ai 2400 pièces d'or. Moi, j'ai près de 3 millions de pièces. Oh, bon, ça j'aimerais bien dans mon jeu actuellement. Hein. Putain, qu'est-ce que ça manque le pognon, ça c'est bien. C'est une belle représentation de la vie réelle. Ah ouais, tu travailles pour... Ah, il faut bosser pour son truc. Putain. Je peux déjà créer des putains de raffineries, oui. Yes. Yes. Le capitalisme, c'est la vie. Je sais ce pognon comment il rentre là. Ah bah c'est les paysans qui payent. Hein. Ah c'est les paysans qui payent, hein, c'est juste pour l'impôt. Non, mais en fait, si tu veux, on a les mêmes paysans, les mêmes travailleurs depuis l'Antiquité jusqu'à l'âge industriel. Donc ils doivent avoir environ 3500 ans, les mecs. Ils seront vampirisés depuis tellement de temps, il n'y a pas de révolution. Non, pas de début. C'est pas après qu'ils viennent, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils veulent plus vivre après avec nous. Faut pas les dégoûter dès le départ, parce que sinon... J'ai mes chars qui sont là, ils sont cool. C'est les petits chars normaux, tu sais. Ah, je peux pas attaquer. T'as pas assez de ressources? C'est con ça? J'ai l'informatisation, moi. Je suis encore à l'âge... Je suis encore à l'âge industriel et j'ai déjà l'informatisation. C'est cool, hein? Logique. Tu vas faire du nucléaire, ça? Ah putain, tu fais gaffe où tu lances tes missiles, je suis à côté, hein. Chier avec leur pétrole. Parce que moi, tes putains de missiles qui atteignent des...
Ouais, j'ai tout petit, nous aussi. Elle est tout petit. Elle peut être tôt. Là, j'ai plus Junior que là, en fait, c'est pas grave. Junior, Junior, c'est déjà pas mal. Oh, il a aussi transformé le gouvernement en capitalisme, il a aussi besoin de pognon, le Sioux. Il n'a pas de chambre, il va faire un peu de l'argent à lui. J'avais construit une raffinerie dans tout ça, là où. Il n'y a pas d'amélioration à faire avec la raffinerie? Bizarre. De quoi? Ça fait bon, faut que je fasse gaffe ou j'ai l'air. Ouais. Tiger Wolf, Maya développe des armes nucléaires. Putain, les Mayas développent des armes nucléaires. Voilà, fin du monde. On y est. On y croit maintenant. Ah, ceux qui n'y croyaient pas, mais ils le savent. Ouais. Bordel, ça fait peur. Ah, mais Spectral, mais ça, mais... Ça, c'est bien des ressources qui n'ont pas prévu de bien augmenter. Ça. Impôt sur le revenu dans le temple, d'accord, je... Pas besoin de me le dire deux fois, ça. Bref, dès qu'il y a du pognon en jeu. D'accord, ok. Je vais prendre un truc, c'est mieux à savoir. Hmm? Ouais, les raffineries. Ouais. Là, pour le pétrole. Ouais. Alors, tu peux en faire une à chaque ville. Ah ouais? Je sais. Ouais, tu m'as pas mis ça. Mais je savais déjà. Je savais déjà ça. Et moi pas. Mais fallait le savoir. Bah oui, parce que j'ai toujours des problèmes de pétrole, moi. Genre, fous le marché de lui parce que c'est un tout petit pétrole en plus. C'est pas bordel, là j'ai qu'un avion, ça va pas aussi, toi. En tout cas, mon or monte enfin assez vite. Quand je sais plus où j'avais foutu mon temple à l'époque. Ouais, moi l'or ça va bien, c'est peut-être ok. Ah ouais? Faut du jus. Du jus? L'or manque, ouais. Oh putain, l'âge d'information, mais qu'est-ce que ça coûte cher? Ouais, ça dépend de quel point de vue on se place, hein. Oh putain, ça, ça me fait peur, par contre. Quand je dis ce genre de choses... Après, je sais, tu l'as eu aussi. Oui. Après, il faut que je l'achète encore, maintenant. C'est pas une question de ça, mais ça vous connaît, c'est ça? Ah, ça tombe bien, ça, 100 barils de flotte. Ça va, ça, 100 barils de flotte, de flotte, c'est pas beaucoup. Je fais ça tous les jours, moi, sur le pied. Mais oui! Je suis en train de faire les améliorations de tous mes chars. Oh putain, les chars ils s'améliorent bien hein, une fois que tu les as améliorés. Enfin, j'attends de voir là. Ben moi j'attends de pouvoir passer à l'âge de l'information, hein, mes 3375 de recherche là c'est. Waouh! Ah, la recherche, moi je suis assimilé quelque chose. Hein? La recherche c'est bon. Oui, mais c'est bon, quand t'en as plus besoin après ça monte, hein. C'est logique. Mais quand t'en as encore besoin, comme moi, ben. Là je fais raffiner à tous les villages que j'ai. Ça va plus le pétrole en toute l'année. Ah non, mais moi le pétrole ça va là. Ouais, mais bon, t'en utilises pas beaucoup encore. Si, si, t'en veux pas. Je suis là, je les avions et tout. Ouais, les raffineries, je les ai fait dès que je les avais, hein. Putain, j'ai foutu où mon temple, bordel? La peine de temps, non, ça, c'est la bibliothèque. Où c'est que j'avais fait un temple à l'époque? J'avais fait un temple quelque part, mais... vous voulez connaître la technique de merde quand vous retrouvez pas quelque chose? Vous retrouvez pas votre temple? Voilà! Ça, c'est la technique à Julia, parce qu'il perd souvent les trucs. Oui, je perds tous mes bâtiments, moi, en général. C'est ça que moi, je suis plus intelligent, vous voyez? Ouais, c'est ça. Bah oui, moi, je construis tout au même endroit. Et moi, j'ai différentes cités aussi, oh puis merde, pourquoi je me justifierais? C'est un manque total d'organisation, c'est le mal marché. Rien du tout. Bien. On peut se déclarer la guerre, hein? Moi je peux, ouais. Oui, moi aussi. Moi aussi. Allez, putain, il faut des cailloux maintenant. Elle a mis un caillou, pourquoi j'ai des cailloux? Je vais acheter des cailloux parce que sinon je vais pas ramasser mes cailloux sur la tronche. Oui, vous voyez ce que je suis en train de construire, les gens. Ça veut dire la merde pour l'ennemi.
Les silos à missiles pour l'instant. Ah, ça va, il est pas encore trop loin. Il n'a pas voyagé trop loin. Ça va. Moi j'ai déjà le. Ah, je suis pas fini, il faut 200 litres de pétrole. Bon, là j'ai des petits missiles pour pas trop cher pour l'instant. 620 litres. Putain, mais. Pas trop cher, hein. Je le prie. Je crois que je le bois, moi, le pétrole ou quoi? Ah oui, tu le bois. Je suis comme ça, oui. Clairement. Pas mal. Pourquoi tu glandes rien, toi? Dis-moi, quelle est ta raison exacte de ne rien glander? C'est quoi le bruit? De quoi? On voit les coups de feu. C'est pas moi. Ah. Et c'est où? Je suis victime d'une attaque de Sitting Bull. Ici. D'accord. 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 C'est pas moi. D'accord. Moi j'ai juste entendu quelque chose. Ah non, c'est les mecs qui ont tiré. D'accord. C'est déjà pas la gueule. Ah, zo. Bon, les chars. Bougez-vous le cul. Dès qu'on passe à l'âge suivant, putain, ça part tous les pétés. On va calmer un peu ces ardeurs à ce moment-là. Je peux déjà avoir une main. Ça va les mecs? Vouliez vous battre? Non, tu fuis pas. C'est toi, Violet? Bon feu. Violet, c'est pas toi. Exactement. Pas sur les yeux. C'est le bordel tout d'un coup là. Ouais, tout d'un coup, dès qu'ils savent qu'ils peuvent attaquer, c'est le bordel. Mmh. Ouais, l'empêcher d'attaquer. On va calmer un petit peu leurs ardeurs. Ouais, je vois ça. C'est pas trop touché. Bon, il y a un nouveau véhicule qui va y passer. Je peux pas. Hein? Allez, j'ai besoin de faire des recherches sur le missile nucléaire, t'en as un autre? Non. Putain. Ah, c'est cher cette merde, moi je peux pas les porter des œufs, hein. C'est pas les œufs de Pâques, hein. T'as bien, Richard? C'est cher ces petites bêtes, tu sais? Oui, je vois ça. S'il vous plaît, j'aimerais un char. Parce que là, ils sont en train de tous détruire mon putain de silo. Mec, vous amusez bien à détruire mon... ma raffinerie de pétrole? Oui, j'ai un char un poil plus gros que le tien, je dois dire. Et vu que vous voulez vous la jouer comme ça... Je sens que je vais me faire un tout petit peu de défense autour de chez moi, moi. T'as rien ici? Hein? Rien du tout. Oui, oui. Bon, on va acheter du pétrole. Je peux pas, j'ai rien à dire. Merde. Ça, c'est vraiment con. De quoi? J'ai envoyé pour m'attribuer, je peux pas acheter du pétrole après. C'est con, hein? Tout ça parce que ma design, il a un peu situé. Ouais, tout de suite, c'est une petite bombe à donner. Protéger ses frontières. C'est exactement ce que je comptais faire. Nous avons développé des armes nucléaires. Oh putain, la grosse Bertha, elle coûte cher, hein. Ah, c'est bon. Moi, ouais, je suis tranquille. La grosse Bertha, elle coûte cher. Ah, elle coûte très cher, oui. 27 500 pour le. Ça fait beaucoup de pétrole à sortir pour une belle pour un petit peu. D'accord, les mecs, voulez-vous la jouer comme ça? Allez-y, les gars, attaquez tous.
Ça va les mecs? Oh, je vais tuer votre président, c'est bête, hein. Bon, y'en a marre. Je suis pas en territoire ennemi. Putain, faut arrêter là. Alors ça sert à quoi ce truc si je peux pas construire aux frontières? C'est quoi ton souci? Ouais. C'est pas de souci. Avec des avions en plus. Bah oui hein. Ah un chat. Ouais, je vais jamais m'en sortir moi hein. Oui. Mais il arrête pas de repousser ses frontières. Comment il fait cet enculé? Défendez-vous. Je suis en train de me faire mais défoncer. Ah, j'ai un avion. Ouais. Ah, attends, je vais voir ce que je veux. Ah non, mais là, il me défonce, hein. Laisse tomber. Là, ils m'ont tout détruit. T'as encore assez de cité à l'arrière, non? Il est en train de me bombarder, mais... Ouais, t'inquiète pas, prends aussi le moment. Tu sais ce que tu fais? Quoi? Tu construis un fort. Un fort? C'est ça qu'il cherche à la base. J'ai plus assez de métal, je peux pas... Je peux rien faire, je suis foutu. Attends, je suis en train d'attaquer. Je suis en train de repousser les frontières à ce mec. Je vais essayer. Pas de problème. Ça va les mecs, vous comprenez maintenant qu'il faut falloir reculer un peu? Putain, je peux les éviter, bordel. Non, pas ça, ça. Hein? Toi aussi? Oui. Il y a un moment où j'en ai marre. Et ce moment-là est arrivé. Je sais pas à quoi ils servent les bunkers, ça défend les... T'as attaqué? Ouais, je suis juste au point de mes idées, faut que je fasse gaffe. Reculez les gars, reculez! Missile éclair, voilà! Allons-y! On avance.
Ça va les mecs, vous voulez pas m'attaquer encore un petit peu plus? Ah Seb, ça va bien, toi. Ouais. Toujours. J'ai envie de finir le maximum à la frontière, mais il a pas beaucoup payé. Hein. Ouais, moi non plus. Ouais, il a pas plus de temps. Pas l'air de comprendre, mine de rien. Je peux vous parler? Ouais, vas-y. Vous écoutez? Ouais, ouais. J'ai rappelé ma mère parce qu'elle m'a appelé. Ouais. Du coup, ils vont manger au McDo avec Sébastien, puis après Sébastien, il va être son fils chez sa maman. Dans les talents, je n'ai pas de problème, ok? Donc, au pire, t'arrives quand même à prendre un moment à aller avec toi, maman. Si jamais. Mais il reste pas ce soir, c'est juste un moment maintenant parce que j'ai avec le moral dans les talons. Je n'arrive pas à faire les gros missiles nucléaires, ça va coûter trop cher. Et ils sont en train de me détruire mes putains de défenses. Ouais, en fait, ils servent à rien ces bunkers. Hein. Il faut pas trouver des unités dedans en fait. Ah bon? Mais je suis pas sûr, je peux pas garantir l'issue. Moi je m'en fous, je suis en train de faire des milliers de chars maintenant. Ça va marcher aussi. Ah ça y tient les rouges là? Ça serait rien, mais... Ah oui, un petit peu quand même. Non parce qu'ils attaquent pas du tout ces saloperies. Ouais c'est la guerre là hein. Ah là on a plein de... Alors là... Ah, je peux faire les gros missiles nucléaires. Génial. Là, il va falloir qu'il me foute un peu la peste, trou du cul, parce que... Mais qu'est-ce que ça coûte cher en pétrole, tout ça? Allez, les gars, allez aider le poteau. Parce qu'il y en a besoin, là. Titinagova est victime d'une attaque de Sitting Bull, mais putain de merde, fous-moi le... Fous-lui la paix à cette cité! Excuse-moi, je te laisse, hein. Et ils sont de nouveau en train de me tuer, mes paysans. Avec des hélicoptères de merde que je peux pas abattre. Putain, il faudrait leur interdire l'accès à certaines technologies à eux. Sitting Bull vaincu? Comment ça? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi il est vaincu? Je suis juste à côté de chez lui, mais je suis en train d'attaquer Sitting Bull, oui. Ah, mais... oh, Sitting Bull, il va arrêter de nous faire chier maintenant. Je suis en train d'attaquer, oui, mais bon, quand même pas j'ai pris des chars avec. Non, mais il est vaincu, c'est à toi les bâtiments là, les rouges. Ah ouais. Ah bordel! Ah bah, j'ai rien. J'ai rien, moi. J'ai un putain de territoire, tu le fais. Je comprends bien pourquoi mes sauts sont montés d'un coup. Je comprends bien, j'ai dit mes sauts, boum. D'accord, ça c'est pas une attaque de char dans la gueule. Qui ça? Lui là? Ouais. Bon. Le silo est saturé, comment ça le silo est saturé? Pourquoi? Ouh le pauvre. Ouh on va aller voir ça de plus près. Mais le pauvre. Aïe. Ah
qui était. Je vois qu'il m'attaque à la frontière, je sais dans la tête, mais... Ouais, il t'attaque avec les... Avec les bombardiers, l'enfoiré. Ouais, c'est bon, je vais te Mouette. Du coup... Ouais, t'as un putain de territoire, mais moi pas. Ouais, je vois qu'il se prend une putain d'attaque de char, hein. Plus des missiles nucléaires, en plus. Ouais, j'ai donné des numéros, mais sinon... Ça, j'ai pas besoin de tourner. Je construis un monsieur, ce qu'il faut. Ouh, c'est tout blanc chez moi. C'est tout blanc. Territoire est enfermé. T'es un cercle rouge, parce que. Oh, il avait construit une merveille. C'est dommage. Tu fais gaffe où je suis avec lui, toi, quand même. Hein. Triste. Il avait construit une merveille. De toute façon, maintenant je vais l'attaquer. J'ai assez de chars pour l'attaquer. L'argent, moi. Bah oui, je vais faire ça. Non, bah, ces missiles nucléaires, c'est bien marrant, mais. Une vraie attaque, ça change tout. Putain, j'ai pas vu celle-là. Ah d'accord, vous voulez fuir, ouais. Fuir, vous voulez. Oh, il a les avions furtifs. C'est mignon, ça. J'ai l'impression qu'ils font rien, mes chars, en dégâts. Non, c'est pas génial, les chars. Fais gaffe, faut que j'ai mes unités, hein. Elles sont en frontière, pour l'instant. C'est vrai. J'aime bien l'écran qui devient tout blanc, c'est... C'est réaliste, hein. C'est mignon. Ça fait un peu peur, aussi. Ah, il a transféré sa capitale. C'est très bien, c'est con. Oh, j'ai tous les bâtiments qui brûlent. Ah ouais. On va anéantir la base aérienne de Crazy Horse quand même, c'est putain. Tu détruis le bâtiment principal, tu peux avoir le machin pour toi. Hein. Ah ouais. Vas-y, mec. Allez-y, butez-le. Il est vraiment dans la merde là. Ouais. Il est dans la merde. Sa vie diminue bien. Oh, il attaque mes chars. C'est mignon. T'as lancé un missile ou quoi? Oui. Ah, je me dis aussi. Je vais plutôt aller voir ça, c'est toujours mignon à voir ça. Oh putain, il y a Oniu Vega là qui va... Ouais. Elle y est passée. Armageddon. Putain, toi vaincu? Toi vaincu? C'est moi le chef. C'est moi le chef. Non, je suis pas vaincu, excuse, on est alliés, bordel de merde. Oh les enfoirés. Mais c'est moi qui ai plus de territoire, c'est ce que je veux dire. Oh voilà, blablabla, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson. Voilà. Allez, bye les gens, c'était sympa. Ciao. Ciao. Ça vous dire. Bon, on va aller jusqu'au prochain point de contrôle et puis on va gentiment s'arrêter là, hein, parce que ça commence à être un peu long, je crois. Je pense en tout cas. Ouais, alors, on avait des gosses normalement ici quand je jouais avec Tiger à l'époque. Mais là, je sais pas parce que. Ben voilà, c'est plus dur, hein, joueur. Tout simplement. Oui, moi aussi j'en vois. Hein. C'est merveilleux, on s'est vu tous les deux. Oh, Hunter, viens ici. Que je puisse te fight. Depuis en bas, là où il n'y a pas de risque. Hop, loupé. Tiens, tu veux bien tomber en bas là? Ouais, presque. Maintenant, tu veux bien tomber en bas s'il te plaît? Hop, au revoir.